Salut les Lunelovers, c'est Luna la TV. Oh putain, la pire intro du monde. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un combat de boss ultra vénère sur Monster Hunter Stories. Non, franchement, c'est mon tout nouveau jeu préféré, Pokémon est balayé. Voilà, Pokémon est balayé. Non, je rigole. Je continuerai quand même à faire des live distributions, ne vous en faites pas. Je reste toujours un vrai fan de la licence, mais franchement, depuis que ma meilleure amie, oui, c'est ma meilleure amie, je sais pas si elle me considère comme son meilleur ami, ou bref. Depuis que ma meilleure amie m'a proposé ce jeu, franchement, j'adore. Donc, sous conseil de cette meilleure amie, j'ai modifié mes armures, tout ça, etc. Et c'est parti contre le combat contre le boss ultra vénère, déjà modifié par le professeur que vous avez vu la dernière fois, et en plus infecté, la totale. Donc, en gros, les amis, c'est parti. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus parce que sur les autres, bon, on n'en a pas vraiment eu. Et je tenais à vous dire que, bah, du coup, pour ceux qui connaissent la reine d'Aron. Et bah du coup, je posterai les épisodes dans pas longtemps. Voilà, peut-être dans la prochaine vidéo, je ne sais pas. On sait jamais, mais avec ma voix de merde. Bon bref, allez c'est parti. C'est un T-Rex. Miaou, il a été modifié par le professeur. Et il est infecté. On doit faire quelque chose. On va se faire défoncer. Est-ce que vous êtes prêts à se faire défoncer? Je vais pas me faire chier à attaquer la tête parce que c'est relou. Ok, il fait que des attaques forces. D'accord, allez c'est parti. Ok, duel. Vas-y. Ok, ça va. Ça picote un peu. Ça picote un peu. Le mec, genre, oh, ça picote. Ouais. J'ai mis en x3, hein, donc c'est plus rapide. Je pense que vous avez remarqué. Le jet de. Oh putain. Arrête de me viser, ça va devenir chiant. Allez, c'est parti. On se concentre au maximum, là, les amis. Allez, il ne faut pas perdre. Oh, il a prédit. Allez, c'est bon. Là, c'est parfait. Tu fais résonance. Il a fait résonance. Ouais, bon, moi. Ouais, bon, je peux plus activer mon truc d'amitié, mais c'est pas grave, les amis. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, donc le mec il va faire force. Donc le mec logiquement il fait à chaque fois des forces, donc on va envoyer en vitesse. Alors j'ai mon ra alors sous, toujours sous les conseils de cette meilleure amie, j'ai modifié aussi les types de mes monstis. Attends, celui-là il est vitesse. Non, c'est lui qui est vitesse. C'est le Tigrex Berserk qui est vitesse. Mais j'ai envoyé Sakura juste au cas où. Voilà, le Sakura bleu. Bon, c'est pas grave. Après je sais qu'il est physique. Bon, attendez les amis, il y a ma mère qui m'appelle, génial, je reviens dans 2 secondes. Donc du coup ma mère m'a appelé pour manger, c'était génial, on y retourne. Donc du coup le mec je pense qu'il va faire une attaque, oh putain j'ai peur. Oh ça va, c'est bon, j'ai rien dit, allez c'est bon, dégage. Ok, oh putain un PV. Ok c'est bon, j'ai eu peur. On va, steak de gourmet tiens. Allez c'est parti. Oh putain, il va faire ruer. Oh putain. Endors, endors, endors. Putain, il veut pas endormir. Oh, si on peut. Double attaque vitesse. Oh putain, je voulais faire une double. C'est pas grave. Au moins, il va le défoncer, c'est déjà ça. Et ça courra. Il est à terre. Ok, alors là, mec, c'est parti. On va s'amuser. Force. Allez. Boum. Critique, allez. Charge de feu. Putain, non, ça, par contre, c'est nul. Mec, t'es censé être un type haut. Pourquoi tu fais des attaques feu? C'est un peu con. Ok, donc c'est parti. Attaque force, du coup. Allez, hop. Il fait ruer, pas sur moi. Merci. Ok, donc. Oh putain. Shit, shit, shit. Je vais envoyer. Bah tiens, mon diable au feu. Ou alors il est nul, je sais pas. Quel level il est déjà? Bah j'ai oublié. J'ai oublié son niveau. Ok, donc c'est parti. Ouh, il fait mal par contre. Ça j'avoue. J'avoue, il fait mal. Ok. Oh putain. Mais arrête de m'attaquer! Ça s'appelle du favoritisme. On se calme sur le favoritisme. Oh putain. Oh non. Ok. Mais arrête! Faut à chaque fois que je me soigne. Ça va devenir chiant. Allez, c'est parti. Steak gourmet encore une fois. J'ai pas envie de mourir, moi. Non, non, non! Raté! Fuck you, voilà, ta mère! Oh putain. Il est en colère. Ok, super. Donc là, il est en colère. C'est parti. Double attaque. Double attaque. Double attaque. Yes! Allez, dégage, dégage, juste dégage, tu me saoules, dégage. Putain, il veut pas dégager ce connard. Je pense qu'on. Bon, là, on va changer, on va changer. Rata, s'il te plaît, reviens. Reviens, ça fait un peu trop longtemps. Tu nous as manqué. Donc, je vais utiliser force, pas grave. Ruer, putain, pas sur moi, pas sur moi. Oh, merci. Oh shit. Bon, ça va. À la rigueur, je peux restaurer mes cœurs. Donc, c'est pas très chiant. Mais, enfin, si, c'est chiant. Mais bon, allez, je vais restaurer cœur. C'est parti. Ça va, là on en retrouve 3, tout va bien. Souffle ardent. Ok. J'ai 2 pierres. Calme-toi. Poussière de vie. C'est parti, on se soigne tous les deux. Ça c'est génial. Donc c'est parti. Poule de feu ardente. Allez, boum, boum.
Il est dopé, je crois. Oh putain. Ok, super. Vaut mieux que je me soigne méga potion, je m'en bats les couilles. Hop, allez, hop. Je me soigne direct. L'attaque force, c'est bien. Rué. Oh là, oh là, oh là. Raté! Ta mère! Qu'est-ce que tu vas faire, fils d'op? Allez, c'est parti. Méga potion. J'ai peur de perdre. Ok, attaque force. Je veux pas perdre vidéo, s'il vous plaît. S'il te plaît, Tigrex, respecte mes abonnés. Je veux gagner devant mes abonnés. Voilà, c'est quelque chose d'officiel. Non, mais le mec, il va faire une attaque force, donc vaut mieux pas que je... Attends, je vais changer, je vais envoyer Yann Cutcut, tiens. Pour le kiff. Mais putain, il fait des attaques. Fais mec en furie, ça m'aidera beaucoup. Puis moi, je vais faire... Allez, force, hein, parce que... Rui, ok, d'accord. Donc c'est parti, crève. Ça fait mal, par contre. Ok, c'est parti. Boum. J'ai deux pierres, d'accord. Bon, à la rigueur, ça va. Parce que... Après, ça dépend sur qui c'est, hein. Oh, ok, sans moyen... Oula. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. Faut que j'envoie Rasen... Oh putain, Rasen Sakura qui a presque plus de vie. Mais c'est pas grave, parce que Luna la TV a tout prévu. Il a prévu des méga potions. Allez, c'est bon. Là, je me soigne, et puis... Ok, d'accord. Oh putain, les dégâts. Je vais envoyer Rata. Ouais, je vais envoyer Rata. Je suis obligé de tous les soigner, ça va être trop lourd. Mais bon, ça va. Oh putain, il fait des attaques techniques. Mais pourquoi tu fais une attaque technique, mec? Ça t'avance à rien. Attends, je vais te demander de faire une attaque. Je vais te demander de faire souffle ardent. Et moi, je vais te soigner avec une potion. Voilà. Vas-y. Je te soigne. Et là, tu me fais une boule de feu ardente. Souffle ardent, pardon, excuse-moi. Donc, souffle ardent rué. Oula, oula. Oh, raté! Ta mère! Oh, je suis trop content. J'adore. Ok, alors là, mec, tu vas crever comme un fils d'up. Ok, boum. Dépêche-toi de mourir. Oh, il est à terre. Génial, boule de feu. Oh, putain. Alors là, on a encore un tour de plus. Allez, c'est parti. Force. Boum. Et lui, il fait force aussi. Génial. Donc, il se relève. C'est parfait. C'est pas parfait, en fait. C'est chiant. Donc, il fait attaque force. Ok. Je vais faire force. Il fait ruer. Ok. Oh, il est en colère. Oh, putain. Ça veut dire qu'il va m'attaquer en même... Oh. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. Tout est sous contrôle, les amis. Luna à la TV gère tout. C'est faux. Donc c'est parti. J'ai l'impression que je vais perdre. Je sais pas pourquoi j'ai toujours. Pour l'instant, on n'a pas perdu de cœur. C'est déjà ça. Oh, il a plus sa queue. Il peut plus utiliser d'attaque vitesse. D'accord. Ok, bon, ça change pas beaucoup. Ça change pas grand chose. Mais en gros, ça veut dire qu'on a déjà affaibli un de ses trucs. Oh putain, c'est pas vrai. Je sens que je vais galérer sur. Oh putain. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, ok, ça va. Ça va. Ne pas se mettre en colère. Ne pas se mettre en colère. Pour ta meilleure amie, ne pas se mettre en colère. Voilà, toujours. C'est une leçon à retenir. Ne jamais rager dans un jeu vidéo. Ok, c'est parti. Force. Ruée. Ok. Enfin! Ça y est. Là, je suis bien, là. Là, je suis bien. Je dormirai moins con ce soir. Ah, yes! Oh, putain. Et j'en ai chié, hein. C'était même pas le boss de fond, j'en ai chié. Putain, ça y est. Ok, qu'est-ce qui va se passer, du coup? Ah oui, par contre, faut que le savant fou, il nous rende l'œuf du dragon blanc, hein. Non, mais là, mec, rends-moi l'œuf du dragon blanc. Rends-moi l'œuf du dragon légendaire. Rends-moi l'œuf de Reshiram. Parce que le dragon blanc, Reshiram, vous avez compris. Ok, donc la gemme de l'amitié qui va tout purifier. Oh, putain. Rends-moi ma gemme, s'il te plaît. Rends-moi mon œuf. Mon œuf, c'est le mien. On s'est fait chier à l'avoir. C'est un œuf légendaire. Tu vas pas te faire chier à le garder. Tu nous le repasses. Comment ça, y a pas de cinématique avec le savant fou? What? Non, y a rien. Oh, sirène! Pourquoi, Rati? Pourquoi est-ce que tu ignores mes ordres? Si tu avais écouté, on n'aurait pas perdu. Moi, tu ne pourras jamais gagner contre ce Rider de toute manière. Mais si tu contrôlais le plus fort des monstres,
Oh non, 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 non. J'imagine déjà le truc. Genre, Manelgar, il va le manipuler pour qu'il fasse quelque chose. C'est toujours comme ça, les méchants. Tous les méchants sont comme ça, les amis. Retenez bien ça. Mais si tu contrôlais le plus fort des monstres, vous. Le professeur sait exactement de quel monstre tu as besoin pour le vaincre. J'ai envie de faire sa voix comme ça parce qu'il est chiant. Tada! C'est l'œuf du dragon blanc mythique, le Versapietru. Rends-le-moi, fils d'op! Rends-le-moi, je me suis fait chier à l'avoir, tu me le repasses, t'es chiant, t'es moche, regardez-le, regardez son sourire de merde, mais putain, rends-moi l'œuf, rends-moi l'œuf. Ne voudrais-tu pas chevaucher le monstre que commandait Redan? Oui, alors forge un lien avec avec ce Versapietru et mets un terme à. J'ai pas vu la suite, excusez-moi. Je refuse. Ah bah voilà, il est pas con. Voilà, il n'est pas con. C'est bon, vous pouvez mettre un max de likes. Il n'est pas con. C'est pas Knuckles. Il n'est pas con. Je vois, j'ai choisi le mauvais garçon. Celui-là a peur. Quoi? Oh non, 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 non. Si t'acceptes, je pète un câble. Au fond de toi, tu as peur de ce monstre. C'est pour ça que tu refuses. Oui, oh oui, il joue au dur. Mais c'est juste un petit gargouin apeuré. C'est faux. Si tu souffres intérieurement, je comprends. Moi aussi je souffre. Il y a très longtemps, j'ai failli perdre la vie suite à l'attaque d'un monstre. Ah bah heureusement, j'aurais préféré que tu la perdes ta vie, parce que là franchement t'es chiant. T'es relou, t'es le pire personnage du monde. Dégage de ce jeu. Dégage de ce jeu. Laisse-moi avoir l'œuf. Et va autre part, je sais pas, mais meurs. Voilà, t'es chiant. Encore aujourd'hui, le souvenir me fait trembler. J'ai voulu vaincre mes peurs. C'est pourquoi j'ai fait des recherches sur le contrôle des monstres et j'ai réussi. Les liens, l'amitié, j'en ai pas besoin. L'espoir, enfin, c'est un gemme de l'amitié, je vais la rendre vraiment puissante. Si Ren accepte, je pète un câble. Il faut vaincre tes peurs et tu deviendras une légende. Relève-toi, Ren, le héros. Héros? Oh non. Oh non, il a pas accepté. Non, il a pas accepté. Non, non, bon, je sauvegarde, je sais jamais. Mais. Il n'a pas accepté quand même. Merci pour la sauvegarde. Oh putain. Non, je pensais qu'il allait me rendre là, ce fils d'op. Le lendemain, ok. Au moins, on a une cinématique, c'est déjà ça. Bon, qu'est-ce qui va se passer? La petite cinématique, après, on va se quitter du coup. Le ciel, en ce jour du destin, était bleu aussi clair que les matins. Qui avait fait le rite de l'amitié, et pour ton retour, je me dois d'avouer. Enfin, il fait que des rimes, les amis, hein. Que le temps, comme une flèche, s'est envolé. Tu es devenu le rider en toi qui était caché. Tu as été génial! Tu as vraiment grandi! Ce que j'essaie de te dire, c'est que, en tant que mentor, je suis vraiment fier. J'ai une poussière dans l'œil, je ne pleure pas! Si, je vois des larmes. Peut-être que tu comprends maintenant à travers les pleurs, hein, les véritables valeurs d'un rider. Arrête de faire des rimes! Maintenir les liens quand tout est noir, les faire brûler comme le feu de l'espoir. Riders et monstres liés par l'amitié, leur pouvoir ne se réveille que s'ils sont liés. Si nos liens sont aussi forts que l'acier, jamais ils ne seront ternis par l'obscurité. J'adore ces rimes. Mais là, à l'heure où nous parlons, s'élève une sombre menace. Et bientôt le monde tout entier sera dévoré par son appétit vorace. J'adore ces rimes. La légende de Rudan dans la pierre gravée. L'histoire, je crois, va se répéter. Miaou! Le fléau noir, on l'arrêtera! Exactement, on l'arrêtera! Mais dragon blanc, repasse-moi le dragon blanc, repasse-moi Reshiram! Entraînez-vous de tout votre cœur! Votre amitié du destin tient sa valeur! C'est à vous de jouer! Allez montrer au fléau noir que ce qui est un rider déterminé! Bon, bah, il est 9h, je pense que c'est ici qu'on va se quitter! Où est le reste du minerai de l'amitié? Allons à la salle d'escrime, Shabaradi, ils sauront sûrement où aller! Ce combat était incroyable. Sur ce, Yann Lover, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vais continuer le jeu de mon côté. Si jamais il y a une bataille épique, vous pouvez toujours compter sur moi pour que je vous le fasse en vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dégainer la barre des likes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve un jour pour le premier épisode de La Reine d'Aaron, la saison 1, en exclusivité sur ma chaîne YouTube. Alors bien sûr, La Reine d'Aaron, c'est une série que j'ai créée moi-même. Donc franchement, je pense que vous allez kiffer ou pas. Bon, sur ce, je vous laisse. Ciao les Lunalovers.